si les puissants font ça, ça sera un soulagement, tu vois, un peu. Oui. C'est vrai qu'il y aura la galère, mais une fois qu'on passe à l'acte, tu vois, c'est autre chose. Ah, Poti, que préfères-tu entre le riche et le fort? Bah, le fort au fez. Je préfère un riche. Je préfère le riche. Pleurer dans une grande maison à Dubaï que pleurer au Cameroun. Salut tout le monde, ici c'est votre Letty comme d'habitude. Hein? Avant de commencer les gars, vous savez déjà quoi faire. Faites-moi péter ce putain de compteur, j'espère que je me fais entendre. Faites-le moi sauter, c'est ça qui est le plus important. Salut. 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 Comment on vous appelle, toi? Moi c'est Audrey. Et toi? Moi c'est Barbie. Kéline. Nelly. Alice Lavasti. Ok, moi je vais t'appeler Alice. Alice, est-ce que tu sais dans quelle émission tu es? Non, pas vraiment. Ok, Alice, tu regardes ma caméra, sache que tu es dans C'est Free. Comme son nom l'indique, on est free. Ouais. Alice, que préfères-tu entre le riche et le fort aux fesses? Putain, ça revient. Bah, les deux, s'il est les deux, il n'y a pas de problème. Non, on a dit ce que tu préfères, on n'a pas dit les deux, tu choisis l'un ou l'autre. Bah, le fort aux fesses. Ah ouais. C'est ça là qui m'intéresse. Tu aimes le fort aux fesses, pourquoi? Parce que ça procure du plaisir. Avec l'argent, c'est vrai, c'est bien beau, mais on n'a pas ce plaisir là, tu vois un peu. Ok, le gars, hein, les dettes veulent que le tuer. Les dettes et le tapioca vont le tuer. Imagine un peu le genre de gars là, bien foiré, mais il est puissant aux fesses. S'il est puissant aux fesses, ça sera un soulagement, tu vois un peu. Oui. C'est vrai qu'il y aura la galère, mais une fois qu'on passe à l'acte, tu vois, c'est autre chose. Ah, Poti. Attendons pour toi le plaisir, l'acte, le truc, ça comble tout ça. Oui, moi je peux être riche, par contre lui il est foiré, donc on va se compléter. Ah ok, ouais. Supposons qu'un riche, un riche vient te draguer et que toi-même tu es d'abord dans une pauvreté extrême. Bah j'accepte. Normalement je veux les deux, fort aux fesses et riche en même temps. Non maman, il faut choisir, donc tu vas faire le fort aux fesses et le riche, donc ça veut dire que tu jongles entre les deux. Il n'y a pas de problème, oui. Et comment tu le feras? Bah, je ferai en cachette, non. Comment? Nous sommes les filles, on sait comment on gère. Ah bon? Ouais. Ok, Audrey, que préfères-tu, ta préférence à toi, entre un riche et un fort aux fesses? Je préfère un riche. Vas-y donc, pourquoi un riche? Nous, c'est ça qu'on veut. Pourquoi le riche? Juste comme ça, pour avoir cette stabilité économique-là. Ah ok, mais ne dit-on pas que femme satisfaite, femme heureuse? Ce qui est sûr, c'est qu'avec le temps, tu pourras trouver la satisfaction. Comment ça, quand on dit qu'il est zéro macabre? Non, pas forcément, il peut être riche, et être très fort. Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris, c'est pas ça qu'il dit. Quand il dit qu'il est riche là, c'est qu'il est faible. Il est faible, vrai, il ne fait pas deux minutes. Ça va automatiquement, il aura le deuxième bureau, non? Ah! Bah maintenant les femmes ont le deuxième bureau. Eh ouais! Donc il y aura le deuxième bureau. Et ce deuxième bureau, comment ce sera qui? Un fort en face? Normalement non. Eh! Non, en fait, tu jongles. Peut-être. Non, c'est pas peut-être, tu jongles. Parce que tu dis, je prends le riche, mais après, je prends le fort en face. Tu jongles, c'est bon, ça? La vie, c'est un choix. Et c'est face à certaines situations qu'on voit comment faire. Ah, comment jongler? Et toi, ma chère Barbie, que préfères-tu entre les deux? Ah. La stabilité économique. Et la stabilité économique, c'est quoi? C'est le riche. Pourquoi le riche? Parce que tu peux être riche et après tu peux avoir ce que tu veux ensuite. Ce que tu veux, par exemple, ben, nous on ne comprend pas. Il faut être explicite. Nous là, on ne comprend pas l'explicite. Bon, ta question c'était quoi déjà? Que préfères-tu entre un riche et un fort aux fesses? Mais je précise que le riche c'est nul de chez nul. Hein. Et le fort aux fesses, il est fort, mais il n'a rien. Comme on dit là. Non, je préfère le riche. Et pourquoi? C'est ça que je veux savoir. Le Cameroun c'est bien. Vas-y. Mais parce que lui il me donne la stabilité économique. Après, ensuite, si je veux avoir un fort aux fesses, j'aurai forcément un fort aux fesses puisque je serai Donc tu vas quitter le riche pour le fort aux fesses? Non, on quitte pas. Ah, tu le gardes comme gars principal et tu jongles avec le... Oui, pas le... Oui. Ah, les femmes. Est-ce que vous savez que vous avez toutes répondu la même chose? On sait. Hey, maman, il n'y a pas la différence. Léline, que préfères-tu entre le riche et le fort aux fesses? Le riche, bien sûr. Le riche? Dis-nous en tout, Kéline. Je veux tout savoir. Pourquoi le riche? Dis tout ce qu'on me dit là. Ah bon, parce que le riche peut prendre soin de moi normalement. C'est bien sûr qu'il peut être riche en même temps fort aux fesses. Non,
je n'ai pas dit ça. Que, tu n'as pas dit. Mais de toutes les façons, s'il est riche, il prend son moment, il n'y a pas de problème. Ok, Kéline, est-ce que tu connais le dicton dit femme satisfaite, femme heureuse? Oui, tout à fait. Ok, mais s'il est nul, t'es pas du tout heureuse. L'argent là, tu vois, c'est mais, comment? C'est qu'est-ce que je vais chercher une autre personne pour ça. Ah ouais? Carrément. Mais bien donc sûr. Donc toi, en fait, t'es jongleuse, c'est ça? Uh-huh, et donc tu assumes? Mm-hmm, j'assume. Ah ouais, donc si je comprends bien, tu prends le riche, tu le mets de côté, mm-hmm. Pas derrière, tu prends le fond aux fesses et tu piques avec lui. Mm-hmm, donc vous vous tuez. Mais bien sûr. Et donc si maintenant si le disons le riche découvre, tu fais comment? Ah, c'est qui est-ce qui va pas découvrir comme ça? Hey. Ok, merci Kéline d'avoir répondu à mes questions, c'est vraiment sympa. Merci à vous. Ok, merci. Encore merci à Barbie d'avoir répondu à mes questions, c'était vraiment très gentil. De rien. Ok, merci à vous deux. Merci à toi. Okay. Nous sommes fans de vous.